Nouvel épisode dans WWE 2K18 et le mode mon joueur ma carrière. Première semaine du mois de mai, toujours à Raw. Alors on nous demande d'aller voir Todd. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors ce week-end, pas mal. J'ai surtout ruminé ma situation. Ah ouais, laisse-moi te donner quelque chose d'autre, mais de banal à ruminer. C'est un autre tag team à 6, la revanche de la semaine dernière. Pré-show encore une fois. Génial, ma carrière continue de dégringoler, youpi. Je suis ton homme, envoie-moi une bouée de sauvetage, ça suffit, donne-moi un micro. À défendre mes convictions, alors donne-moi un micro. Tu sais, je peux pas te laisser faire. Il faut que j'explique à tout l'univers de la WWE les magouilles qui se passent en coulisses. Il mérite de connaître la vérité. Hors de question, c'est non, je te laisserai pas faire. Empêche-moi, si tu refuses de m'aider, je libérerai un micro moi-même. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Ramène ton cul tout de suite. We aim to please here, folks. This is Raw, coming to you live from Virginia Beach. You don't see a match card like that very often, so don't you dare change that channel. What could this be about? And the wait is finally over. Let's listen in as he addresses the WWE Universe. Shh. Je pense qu'on va axer notre discours contre l'autorité si on nous le permet. Alors la maîtrise au micro dicte un certain nombre de choses en cours de promo. Elle vous permet d'obtenir de meilleurs scores, de parler plus longtemps et de ralentir le chrono dans n'importe quel promo. Ah oui, c'est parce que j'ai débloqué certaines aptitudes qui doit m'aider. Alors il doit vouloir que je sois le meilleur dans une autre promo. J'ai travaillé trop dur pour être rétrogradé maintenant. J'ai un petit problème avec la direction. Vous voulez me voir dans un pré-show main event? On va axer contre la direction. J'ai un petit problème avec la direction. Not feeling the love for that superstar. Alors, et c'est le fait que j'obtienne un match en pré-show après avoir collé une rouste à tout le monde pendant le Battle Royale. Si vous vous rappelez bien, c'était même super drôle, mais là je rigole plus. On peut même dire que j'ai un petit problème avec la direction. Ensuite, il semble pouvoir me le faire à l'envers. Je ne serai pas le premier à partir. Ils m'ont tout promis. Voilà, on va continuer là-dessus. Après, je pense qu'on utilisera nos compétences. Il me balance une claque dans la tronche et prétend que c'est pas fait exprès. Tout est pardonné, hein. Monumentale erreur. Il semble penser pouvoir me la faire à l'envers, mais ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il va y avoir des conséquences. Elles vont avoir lieu dès maintenant. Next. La performance était parfaite. C'est de leur faute. De nouveaux endroits seraient prêts à m'accueillir, je pense. Ouais, c'est de leur faute. La direction m'empêche de progresser. Je ne vais pas les laisser manipuler mes matchs depuis les coulisses comme s'ils étaient des marionnettes. Ne vous y méprenez pas, il y a quelqu'un derrière les rideaux qui tire les ficelles sans vergogne. Aucune superstar ne mérite un tel traitement, je n'ai pas besoin de récompense, je ne demande qu'un traitement équitable, l'audience, non. Je n'ai pas besoin de récompense, aucune superstar ne mérite un tel traitement. On va prendre celle-ci. Ne traitez pas Superstar comme un débutant. Nous avons droit à un certain niveau de respect dû au fait que nous sommes suffisamment bons pour entrer à la WWE.
Vous n'avez pas le droit de nous traiter de la sorte, nous avons droit à mieux que ça, nous méritons mieux que ça. J'agis toujours en accord avec mes paroles. Le dernier, si personne ne résout le problème, je me barre. Justice, je leur prends mon endurance chaque soir. Là, je leur prends mon endurance chaque soir. Ou justice doit être fait. C'est moi qui m'en chargerai. Oh, ça, j'aime bien ça. Voilà, note maximale, je pense. Je demande justice, c'est un concept simple mais difficile à appliquer. Justice doit être fait. Dans le cas contraire, c'est moi qui m'en chargerai. Attention à vous, la direction, car tout le monde en aura pour son grade et je ne prendrai pas de gants pour distribuer les baffes. Waouh. Je pense que Stéphanie McMahon va pas tarder à pointer le bout de son nez. Mais en tout cas, je risque d'avoir quelques discussions avec elle. Plutôt un bon score, hein, 260% demandé. Vous avez gagné un avantage qui deviendra actif dans la promo de cette semaine. Les points bonus que vous gagnerez en effectuant rapidement des promos augmenteront bien. Bah alors, on va faire la gueule ou pas, lui? Ne fais plus jamais ça. J'aurais pu me faire virer pour ce que tu en as à foutre. Je suis désolé, il le fallait, plus jamais promis. Non, je ferai toujours ce que je dois faire. On va garder la première. Je respecte tes opinions, mais ça ne veut pas dire que je cautionne tes actes. Vince s'est passé, il bouillait de rage, il lançait des appels. Imprécation. Ça ressemble bien à Mr. McMahon. Mais il est ressorti avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ah, il aime ça, hein. Depuis qu'il s'est fait botter le cul par Steve Austin. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je lui fais confiance, le jeu en valait la chandelle. Je viens juste de le critiquer, mais j'ai toute ma confiance. Vince, trust, j'imagine. Il n'a apprécié ni ton comportement, ni ta réaction, ni ce que tu as dit. C'est la réaction des fans, non? Cela étant, il ne peut pas ignorer, voilà, la réaction de l'univers de la WWE. J'en doute pas. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour décider de ce qu'on allait faire de toi. Ne va pas t'imaginer que j'excuse quoi que ce soit, mais c'était bien joué ce soir. Quand même, ne retourne pas là-bas sans mon autorisation express. Tu risques vraiment de nous faire virer tous les deux. Ce mois a été long. Le prochain se passera mieux. Je sais que j'ai été dur avec toi ce mois-ci. Tout ça, c'était le SmackDown. D'ailleurs, le prochain sera mieux. Pas sûr, hein. Mais ça pourrait être pire, je suis d'accord. Bon, tu ferais mieux de filer avant que je te fasse bosser ce week-end. Et ton dimanche. Allez, fiche le camp. On se tire. Deuxième semaine. Voilà Todd. Tu es prêt? T'as une grosse opportunité de prendre de la vitesse ce soir. Match 6. Parce qu'on a une petite promo aussi, auto-promotion. L'auto-promotion est un type de promo court duquel vous êtes seul sur le ring. On s'adresse à WWE et une provocation vous permet d'inciter une autre superstar à vous
rejoint lors d'une promo, cette superstar peut se montrer ou non. D'accord. Alors on va regarder des champions. On pourrait provoquer Dean Ambrose ou Samoa Joe directement. On va commencer par Dean Ambrose. Up next, we have six-man tag team action. We have a team led by a real fan favorite against Team Finn Balor. Il y a un petit peu de beau monde quand même. Allez, c'est parti. Tout nouveau match à 6. This is a match that doesn't need a lot of fight description. Just look in the ring. This is going to be an incredible six-man tag match. Well said, gentlemen. Terrible ce qui lui est arrivé. This is the match this Glendale crowd has been waiting for. À peine le pauvre avait récupéré le premier titre champion d'univers de la WWE, que le pauvre s'était blessé contre Seth Rollins. Doing damage with the knee now. On est parti. I can't believe the referee didn't see that. Somebody stop this. Things not looking great for Finn Balor. And you know all three of the superstars he's up against won't back down at any point during this match. When you put that much meat in the ring, somebody's going to get hurt. And unfortunately for him, he's the one on the receiving end of this inevitable beatdown. I think a lot of people right now are scratching their heads wondering how he let this match get so out of hand. C'est contré. This is some great offense by Finn Balor. Look at Finn Balor here. Gravity taking over there. Looks like he's starting to sweat now. I think it's safe to say that the action so far in this six-man tag team match is exactly what we expected. And I can tell you exactly what his partners are thinking right now. Why in the world did we agree to team with this guy? Okay. Ils font, mais Enzo il m'a même pas touché. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Tout le monde est rentré sur le ring. Non, c'est pas possible. Thrown right into that turnbuckle. I could hear it from here. Disqualify this man. He's not looking good here. Rather than continuing to absorb any more punishment, he might want to tag out here. I'm not at all surprised to see him struggling a bit here. After all, the other team does feature arguably three of WWE's most imposing figures. Over and over and over. We're seeing the same move being used. And we're back to this form of attack. Oh, joli.
casser un petit spécial avant. Oh no, we know what this is. It's all academic from here. But did he go for it too early? The Miz got the worst end of that stick. And another one. Bah là maintenant. And there it is again. Non. He's looking at it. Ça and passe. He lands the slam. Big opportunity de tomber, here. Mais je crois pas. Beaucoup, beaucoup trop tôt. He doesn't appear to be in a hurry to get up here. I just don't think he has it in him anymore. And off the tag is Finn Balor. Absolutely. There it is. The tag has been made. Oh, he needed that in the worst way, Michael. I didn't get you. And that one grounds him. I didn't realize he had such a glass jaw. He's too quick for him there. Just a savage kick to the face. Oh boy, he is rolling. And there's the reversal from Finn Balor. This is some great offense by Finn Balor. His partner's looking to get back in this thing. Caught his breath a bit, now he's ready to go again. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. The tag, the Miz into the ring. That's a great example of teamwork right there. Look out, there he goes. Knocked right off his feet. What does the Miz have to do at this point to stay in this match? He's got to remember he has two partners ready to enter the fray here. Consider me wildly unimpressed with his performance here tonight. I mean, he's just getting destroyed in there. But if you're counting him out now, you haven't been paying attention. He has more spear. This might be it, guys. Look at Big Show here. Made him pay there. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Balor maintenant. When this guy's on, look out. Oh, the reversal by the Miz. And there's the reversal from Big Show. Okay. Oh, Big Show. The Big Show is putting on a big show right now. And he lands a nice counter. Oh my god, the world's largest athlete with the world's largest spear. He may get the three count right there. Yeah, victoire. What an amazing six-man tag match. Tu fais mal un petit peu à tout le monde. Big Show finit le boulot. Par contre, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que dès qu'on se bat à l'extérieur, notre, on va dire notre jauge pour faire un spécial et un finish est complètement à la ramasse. Et les deux catcheurs qui n'étaient pas officiels pouvaient m'attaquer, mais finalement, je pouvais me concentrer que sur un, l'autre ne m'a pas embêté. Bonne opération. Something told me we might hear from him. C'est l'heure de ma petite promo. This is going to be good. This crowd obviously wants to know what's going on. Comme j'ai décidé de provoquer
champion. Pas champion du monde. Ah, je sais plus s'il est champion intercontinental ou champion des États-Unis. Alors, dette, je ferme plus les yeux, je donne une chance. Je donne à tous une chance. Ouais. De l'affronter. On va jouer ça. Vous connaissez, vous savez ce que je vaux. Vous savez que j'ai donné tout à tout le monde. Une chance de m'affronter. C'est à ça qu'on reconnaît les bons champions, les vrais superstars de la WWE. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas suivi mon code d'honneur. Et c'est ce qui m'amène ici. Ensuite, chouchou, on va se faire botter le cul, personne n'est à l'abri de moi. Dur de se faire un ami. On va faire ça. Personne n'est à l'abri avec moi. Dur de se faire des amis. Comme je domine, on va faire celui-là. Beaucoup de gens semblent penser qu'ils sont à l'abri, mais c'est pas le cas quand je suis dans les parages. Si je fais quelque chose, je le demande pas, je le prends et je veux la place occupée en ce moment par une certaine superstar. Mon temps est précieux, alors occupons-nous de ça tout de suite. Je mérite une chance de régler ça. Je mets fin à sa carrière. Ramène tes miches par ici, on va continuer. Il Ambrose, ramène ton derge par ici et dis-moi en face que t'es le meilleur, que t'es meilleur que moi. Je vais te montrer c'est qui le patron sur le ring. Réglons cette histoire une fois pour toutes. Alors, est-ce qu'il va venir? Yes. Elle n'a pas sa ceinture avec lui, dommage. Looks like he's going to grace us with his presence once more. Well, things are about to get interesting. Let's see what he has to say. Pride comes before the fall. Pour tout vous dire, je ne suis pas étonné d'être ici ce soir. Ça dure depuis trop longtemps, mais tant qu'à être ici. Puisque je n'ai rien mieux à faire, battons-nous, on va direct. Assieds-toi petit, je m'en vais, retourner parler à mes femmes, on peut jamais être tranquille ici, c'est fatigant de perdre mon temps. Assieds-toi petit. Oh merde. Je sais pas trop pourquoi tu as pensé que c'était une bonne idée de venir m'interrompre, mais on réglera ça plus tard, puisque tu es là, autant t'asseoir et prendre des notes. Je vais vous montrer à toi et aux autres pourquoi je suis la plus grande superstar au monde. N'hésite pas à garder tes questions pour la fin. Ah, c'est toi, j'ai entendu parler de toi, ouais. T'es célèbre. Tout le monde va clamer la fabuleuse tête de con qui marche et qui parle. Oh là là, elle est lourde. Appelle-moi encore comme ça, je te démonte. Putain, ça va pas décoller hein. Faites-moi encore de tête de con. Je t'assène ici tout de suite. Waouh, j'avais jamais été aussi près de toi. C'est le merdier, tes dents. Il y en a une moitié de sortie, on dirait un tigre à dents de sable, sauf que t'as rien d'effrayant. Tu serais plus du genre chaton, t'aurais peut-être dû rester chez toi. T'aurais pas risqué d'en perdre en plus. On va utiliser notre aptitude, hein. Tu débloques total, grande gueule. Petite. Ah, c'est pas mal ça. A fan favorite. Tu quémandes ton match, mais tu sais qu'on se battra pas ce soir, n'oublie pas. On va se battre et c'est moi qui choisirai où et quand, et crois-moi, tu repartiras sur une civière. Tu racontes tes trucs. Et c'est comme si t'écoutais pas ce que je dis, t'as l'air de croire que je te demande un truc, pas du tout, je te dis juste que qui je suis, et ce que je vais faire, tu ferais bien l'écouter. Je t'aime bien, tu m'amuses, j'ai pas peur de me mouiller, et toi, tu peux claquer des genoux là, dégage de là avant de finir blessé. La simple présence sur le ring dans ce bâtiment, dans cette compagnie en France, et le fait de te voir ici,
Interrompre mon moment avec tes histoires à dormir debout, me force encore plus, dégage-le-là avant de finir blessé. Enfin, pour l'instant, il a l'avantage. Hein. T'as un vrai souci de gestion de la frustration, mon frère. T'as pensé à consulter, y'a rien de mal à ça, aucune raison d'avoir honte, j'ai même quelques numéros à te filer. Très bien, je me sentirais coupable de péter la tête d'un mec qui n'a plus tout à fait. Et on s'en va. Troisième semaine. Callisto. Si j'ai entendu Finn Balor parler de ton dernier match l'autre jour, ça l'a pas trop impressionné. Ah bon? Qu'est-ce que t'as contre moi? J'en sais rien, mais il faut croire que tu lui plais pas. Tu devrais lui montrer que t'es pas du genre à laisser les autres te casser du sucre sur le dos. Lance-lui un défi et bats-le en un contre un. Et pourquoi pas? Ouais, moi ça me plaît bien, je trouve. Ça va être sympa à regarder. C'est mon encours. Je vais accepter une quête secondaire. La quête secondaire commencera lors du show la semaine prochaine. Oh, monsieur Lesnar. Je veux juste te dire que je respecte ton dévouement au travail, tu bosses plus dur que la plupart des autres catcheurs et ça me motive à faire pareil. C'est gentil ça. C'est pas mal. En prévision, va jeter un coup d'œil à la liste des matchs. Buckle up because we have a contest that's going to blow the roof off this place. We have a team led by one of our breakout talents taking on an imposing force. I don't want to jinx it, but I think this one's going to be special. Avec Big Cass. Both legal men are in the ring and set to start things off here. We're ready to go. Superstars are ready. San Jose is ready. And here we go. Attention double contre. Je perds pas de temps. Il ne peut plus me contrer. He's inflicting some serious pain here. J'étais pour le m'attraquer. We may have discovered his favorite move. Grand gaillard. Tout le mettre dans la tête. S'est passé. Ouais. On a bien profité. Look out, there's the elbow drop. On récupère un peu. Je peux le changer maintenant. Oh, voilà, il n'arrête pas de me contrer, lui aussi. Bientôt être à sec. Démonstration de puissance. Showing absolutely no mercy now, guys. Pas aussi. Oula. That's a great example of teamwork right there.
Delivering the knee. Genou. Will somebody please step in and stop this? Wow. Là tu m'as bien casse. Je mange pas de pain, c'est gratuit. If an opponent exhibits a weakness for a specific move, some will return to utilizing that move as long as possible. Un peu d'ambiance. He's on the defensive here. His tag team match can get out of hand quickly if he doesn't mount an offense soon. It looks to me like his partner's itching to get in there. And now might be a good time to give him what he wants. I think a lot of people right now are scratching their heads wondering how he let this match get so out of hand. Okay. Est-ce que ça passe? Non. That's a great example of teamwork right there. Autour de Big Cass. Ain't no stopping him now. Not so fast. Very difficult position to be in right now. Yeah, situations like this usually don't end very pleasantly. Ah, là, je vais sortir. In comes Connor. Pour le Connor. Pour l'instant, je suis mal, hein. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. He misses on that one. Were his eyes even open? Ça fait deux fois hein, qu'il me contre mon spécial en faisant juste un truc comme ça. Fatigued right now. Pas cool. He needs to find a way to create some space or else this thing's over. If he could just make it to his corner, these guys still have a chance. But if not, I don't see how he can overcome all this punch. You have to think that's it. Warm up the bus. This one is over. He's not getting up. You can't like his chances right now. Joli. Oh, putain, je suis oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Taken off his feet here. And it's moves like that that make him so dangerous. He might have it. Ça passait. With a pile driver. But I don't know how much gas he has left, guys. No question, he's feeling invincible right now. Oh boy, he is rolling. Whoa, down he goes. That was impressive, Cole. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possum here, Cole. He's lining him up. See if he takes the bait. Back now inside the ring. The overhand punch connects. Connor's taking on a lot of damage. I'm not sure how much is left in the tank. This is not where he wants to be at this point in this tag team. He thinks he has it. Taking him a while to get up here. I don't think he has anything left, Michael. The axe handle hits the mark. Big miss for him there. And he'll likely pay for it here. He might just be out, guys. I agree. He hasn't moved one bit. Au front.
Il est très très mal. Bobby Roode à son spécial. Question Big Cass éloigné. Whoops, not even close. What was he thinking? Roode with an earth-shattering spinebuster. That was glorious. Spinebuster. Looks like we're coming up on the end of Connor's night here. What a slam, Michael. Got the reversal. He's too quick for him there. Connor with a nice reversal. Ah, Connor se laisse pas faire. Oh, Connor may have it. Oh, what a flapjack! To think, I almost wrote him off earlier. Spéciale. That'll knock you silly, that's for sure. Connor has him right where he wants him. Il faut que je fasse confiance à Bobby Roode, il a encore pas mal de vie, même s'il prend son spécial. Je pense qu'il se relèvera. C'était violent quand même. Ouais, pas de soucis. Là, fallait vraiment faire confiance à mon collègue. Continuer à travailler Big Cass. Gutbuster. Missed by a large margin on that one. Wow, he's better than that. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's going to get a lot tougher. Ah, ça y est, Big Cass peut plus contrer. No reverses it. On travaille la tête. Who's got the pump handle hooked? Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very good for him right now. Oh yeah, here's Connor. Voilà, attention, hein. Bobby Roode commence à être dans le rouge. He misses on that one. Were his eyes even open? He's in trouble. And there it is. This is his opportunity to win this thing. And this has got to be it. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beating, Michael. On va faire comme pas sûr, là, sinon je suis mal. Hein. His partner wants back in. C'est hallucinant comment Connor a but what you want and what you get are often two very different things. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. He is a one-man gang in there. Here we go a second time, and a flapjack. Can he finish him off here? Oh, and it's a reversal. Check out Bobby Roode's offense. Allez, passe le relais. Oh là 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 là. Je trouve que là-dessus, il y a un gros souci. Un match par équipe, quand on demande le relais, notre adversaire, s'il a l'opportunité de le faire, il ne le fait pas. Alors que dans beaucoup d'autres jeux, il n'y avait aucun souci dès qu'on demandait le tag, ça se faisait. Ah, Connor est bloqué à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on entre? Merde, il va plus pouvoir contrer. The longer this fight goes on, the more wear and tear on each competitor. Who is going to have enough to pick up the win? Allez. His partner wants back in. Changement. Yeah, but what you want and what you get are often two very different things. And it's reversed. Check out Bobby Roode's offense. Tag. Gonna be tough for him to fight back from this. Well, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. Je croyais qu'il venait pour moi en plus. His partner's looking to get back in this thing. Non, caught his breath a bit, now he's ready to go again. Long-term injuries for sure.
On va faire un fini jeu ça. Allez, passe la main, passe la main. Attends, je vais être un peu trop loin. Yeah, but what you want and what you get are often two very different things. And there's the tag. Connor into the ring. He is a one-man gang in there. Connor has him right where he wants him. Big Cass giving some of that Queens, New York added. Full Nelson slam. Wow, you see the height on that? To think, I own. It could be over here. Ouh, il fallait sortir hein, parce que Big Cass et Cass était là. Hein. Je sortais une demi-seconde en retard, je pouvais pas le contrer. Looks like he wants back in this match. That certainly looks to be the case, Michael. This is what makes him one of the best in the business. On, he's one step ahead on that one. The clothesline finds the mark. Passe la main. His partner's calling for the tag. Quand yeah, même. He's not done yet. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Multiple DDTs at this point. You have to start worrying about potential long-term effects. There's the cover. Can he do it? Yeah, it's obvious that something got into him. Oh boy, he is rolling. Spécial. This guy's a machine. Le casse, il arrive. Attention. Warm up the buses. On va tenter notre chance, on va garder notre spécial. What a comeback. Un dernier tour. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna. Oui. Will this be it? Voilà. Aussi. He looks for it once again. His signature slam. This is his opportunity to win this thing. This could do it. Allez, un, deux et trois victoires. Says a lot about a duo. Pas compliqué, match 4 étoiles. Par que je lui apprenne à passer la main plutôt à mon ami. Ladies and gentlemen, that's a very big win here tonight. It's performances like the one we just saw from these guys that makes tag team wrestling so exciting. Wow, I don't think we're going to have too many disappointed viewers at home. Not with action like we just saw. On s'en va. Quatrième semaine. Non. Normalement, on va avoir une petite interaction avec Finn Balor. Agité ce soir, nous ferions mieux pardon, de lui donner ce qu'elle attend. Porter le match.
Chuck Finn Balor. Don't move. We have a great match coming up next. We have one of the best talents on the roster to date versus Finn Balor. I can't wait. And there's the bell. And here we go. This is the type of battle that you can show someone who's new to our brand of entertainment and say, this is what WWE's all about. Aside from Saxton's commentary, this has all the makings of an epic match. And not a single fan here in Hampton has headed to the concession stand. They all want to see every second of this match. C'est le premier contre. Merde, on est passé d'une jauge à l'autre. Dommage. Et je voulais absolument sortir. Tour dans les escaliers. Tasser le dos un peu. Some great offense by Finn Balor. He's got to hurry if he doesn't want to get counted out here. Time's certainly not on his side, Michael. Pour finir avec toi. He'll be feeling the effects of that for a while. J'ai pas vu qu'il avait retrouvé un contre. Surprendre. He's taking a lot of punishment. If it continues, it could eventually affect his vision. We just witnessed another one of his specialties, and the referee had absolutely no idea. Quatre. On va surveiller le compte de l'arbitre. Winds up and lands the overhand punch. Whoa, missed by a large margin there. Come on, how do you miss by that much? He lands the strike with great accuracy. Using his knee now. And there's the reversal from Finn Balor. C'est dangereux à 5. Gotta get back in the ring. We might just have a count out on our hands, Cole. Il va revenir. Well, Finn Balor is Irish and they're known for their gift of gab. C'est limite là. Oh, l'arbitre. Wow, the ref got hit hard there. He may not get back up, Cole. C'est un bon coup à jouer là. Oh là là, il revient trop vite l'arbitre. He wants no part of the outside. Dommage. Un peu sur la rampe. Ça passe. C'est contré. Dommage. Oh, and a terrific reversal by Finn Balor. This is some great offense by Finn Balor. Je peux pas contrer. He catches him off guard with that amazing acrobatic move. Incredible action in this match so far. Dangerously close to getting counted out. Definitely cutting it close, Michael. Ain't no stopping him now. He misses there. You just can't miss by that much, Cole. You gotta believe this one's over. He's in the driver's seat now. Things do not look good for Finn Balor.
Whoops, not even close. What was he thinking? Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Non, je peux pas encore sauter du haut de la troisième corde. Gonna be tough for him to fight back from this. Well, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. He hits the big knee. Un peu de visage. Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. He might just be out, guys. I agree. He hasn't moved one bit. Non, je vois ce que je fais. Pas machin en disqualification, ni count-out. Donc on peut se disqualifier à 10 si on va trop loin. Oh boy, he is rolling. And there's the reversal from Finn Balor. Ah, c'est encore contré. Oh, and a terrific reversal by Finn Balor. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beating, Michael. He's got to hurry if he doesn't want to get counted out here. Yeah. Time's certainly not on his side, Michael. It's not cheating if you don't get caught. I mean, it just blows my mind that the official didn't catch him in the act. The unfortunate reality is he might not get up, which wouldn't shock me one bit. Talk about a beating he's taking here tonight. On continue notre travail. Je crois qu'il soit trop loin, attention. Ça passe. Here's the avalanche. Taking him a while to get up here. I don't think he has anything left, Michael. Un petit rock bottom, ça passe. And there's the reversal from Finn Balor. Look at Finn Balor stalking him. He's delivering an old-fashioned scissors kick. Wow, I'm just as surprised as you. Now that's how you make a statement. Things are about as bad as they could possibly be right now for Finn Balor. Here he goes. And he lands the slam. Things are about as bad as they could possibly be right now for Finn Balor. Il n'est pas vers la victoire. On va s'assurer. Je peux pas me contrer. Non, finish. Ah tiens, j'ai un. Ça va passer. Looks like he's awakened from his coma. He's making a statement here with this attack. On va regagner un spécial. We have seen him here before. Incredible! This has to be it. Here's his moment, Michael. This might be the end of the road for him, Byron. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. It's like he's tapped into some unseen energy source. Un deuxième. He's calling for it. Attention. No reverses it. Gotta be careful here. This isn't a no disqualification match. And now one more time. Finish. Marteau pin, il a la tête ensemble. Il va pas pouvoir se relever de ça. Match. This one is over. Ah, on a fait le match. He may get the three count right there. 1, 2, et 3. There's the victory. And the victory. C'est un kick. Rock bottom. Et notre marteau pilon. Here is your winner, Fruitzilla. What's going on here? Yeah, I don't think she's going to keep us wondering for long. Continuer. Comme on a l'intention de créer une petite rivalité, faut qu'on aille au bout, même si j'adore Finn Balor. Oh, the sledgehammer connects. That'll scramble your insides. Oh boy, he is rolling. Oh, and he lands it. Really relying on that tonight. Look out, look out! This could be it!
Down with a power bomb. Game, set, match. This one is over. Things do not look good for Finn Balor. Ah, Booker. Booker. Qu'est-ce que je raconte? Air Truce. Alors, tu vas affronter Darignan ou quoi? Ouais, je voulais juste étudier les enregistrements de ces matchs avant. Je vais pas me lancer là-dedans sans savoir ce qui m'attend. C'est incompréhensible et malin, ce type ne plaisante pas. Mais je sais que t'es capable non seulement de gagner, mais aussi de lui faire avaler ses insultes, un sacre lot. Alors c'est assez marrant là, au niveau des transitions d'histoire à mon avis. Parce que pour l'instant avec Darren Young, j'ai pas eu d'interaction. Pour préparer soit le pay-per-view, soit le mois d'après. On va voir ça. Pay-per-view, yes. Pas de certitude qu'on allait participer. Rules. La foule est agitée, soir nous ferions mieux de lui donner ce qu'elle attend. Objectif, remporter le combat. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé? Un film Balor. Nice. Ah, par contre, c'est un peu dommage que ce soit un match normal. Ça aurait été plus sympa que ce soit un match au moins extrême. After all the hype, we finally made it. This is Extreme Rules, live from Baltimore, where these fans absolutely go wild for WWE. You don't see a match card like that very often, so don't you dare change that channel. We got one-on-one action coming your way next. We have one of the best talents on the roster today versus Finn Balor. Gonna settle the score. Match retour. Making his way to the ring from Paris, France, weighing in at 266 pounds, Freakzilla. Get ready, guys. Big time singles matches coming up here. And I can assure you, these two superstars have been waiting all day to get their hands on each other. I'd like to point out just how focused these guys look here tonight. They really do, Michael, which makes me think we're in for one heck of a match here tonight. Alors, j'ai modifié un petit peu la fin de mon entrée.
Finn Balor maintenant. Sorti des peintures de guerre. And his opponent from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds. Je pense comme c'est pas le démon, là. Il y a encore les la gestuelle, on va dire, de sa version contre blouson, on l'a vu là, c'est assez marrant. C'est sympa qu'ils aient prévu la version démon en pay-per-view. Je pense qu'ils auraient dû intégrer la ligne de code qui prévoit qu'il ait la gestuelle également. En tout cas, j'adore son maquillage, c'est quand même super bien fait. Allez, on va lui donner sa revanche. A superstar gets a certain feeling when he knows there's a strong possibility he may exit the match in a completely different condition than he entered. That's not exactly a comforting thought when it's your career. If you haven't hit record yet, now might be a good time to do that. These guys are going to have a match you'll want to watch over and over again. I know these superstars are excited to compete here in the same city where superstar Billy Graham defeated Bruno Sammartino for the WWE Championship back in 1977. How about we touch on Finn Balor a bit? As we get underway, what can the WWE Universe expect from this guy? Nothing like another quiet day at the office, huh, Cole? And he delivers a spirited elbow. Un petit peu d'endurance, on va pouvoir sortir. On s'est montré encore, là aussi. On est dans le poteau. On s'est montré encore. Ah, il peut plus là. Gravity taking over there. J'ai pas réussi à le contrer, dommage. Il va essayer de gagner un petit peu de temps. Hé hé, viens réparer. Putain, je peux pas encore le contrer. On his head took the brunt of that one. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Ça me plaît pas bien conventionnel comme prise, ce que je viens de faire là. On va profiter qu'on n'est pas à Raw, on a des tables ici. He doesn't want to do this outside the ring. Back in from the floor. Dans les escaliers, je voulais l'envoyer. This is some great offense by Finn Balor. Bringing it back into the ring.
Merde. On va se contrer. There's a drop kick. Nice move. That misses the mark. That wasn't even close, Michael. I can't tell you how many victims have suffered the same fate. This could be it. Oh, he's able to reverse it. This guy can go toe-to-toe with anybody. Disqualify this man. Mais non, pas disqualifié. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possum here, Cole. He's sending a message to the entire WWE locker room here. The repetition on that move is becoming deliberate at this point. What an axe kick! Here's his chance, axe kick! Things are about as bad as they could possibly be right now for Finn Balor. He's looking to bring this one to the outside where things can get ugly in an instant. Casser une table. Perhaps looking to make a statement here. No doubt about it. Uh-oh, here we go, here we go. Oh, mammoth slam right there, guys. That has got to be it. That could do it. Un bug, c'est la table d'à côté qui a pété. He's not getting up. You can't like his chances right now. Whoops, that missed. That's putting it mildly, Cole. This guy's dangerous and out of the ring. And it looks like he wants to prove just that. Wow, he just slammed him with ease. He's taking some offense. With these two guys, we all knew this was going to be an all-out battle. He obviously came into this match intent on taking the fight to the outside as much as he could. Though I'm not sure that's the right approach. Sometimes when you're dominating your opponent as much as he's been doing in this match, you lose focus. That's likely what happened here. Ain't no stopping him now. One more look at it. There's no recovery from that. Things are about as bad as they could possibly be right now for Finn Balor. Things do not look good for Finn Balor. Whoops, not even close. What was he thinking? He's bringing it back inside the ring now. Alors laisse-le l'arbitre. Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. He combines speed, agility, balance, and force all in one move. Three. Pays for that one. Four. Non, je peux. Casser les barricades encore. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. Gonna have to get back in the ring here, guys. Running out of time. He wants no part of the outside. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Attention. Action spéciale, c'est urgent pour finir le match. This one's over, guys. J'espère. Tenter de terminer là-dessus. Two outstanding athletes looking to prove their dominance in there, but only one can walk out victorious. Who will it be? This should do it right there.
Yes. The pinfall and the victory. Je pense qu'on a marqué des points de victoire d'affilée. Here is your winner, Freakzilla. Looking dominant at times in the victory. Wow, when you pick up a pinfall victory over somebody like that, you've done something right. And that'll do it here for this one-on-one match. I hope you enjoyed it as much as this live crowd appears to have enjoyed it. Encore là, lui. Bien joué. Ça fait passer l'envie de salir ton nom. Je veux dire que ça fait du bien. Merci de m'avoir prévenu de ce qu'il disait sur moi. Pas de soucis. Là, je pense qu'il y a un petit souci avec Darren Young et Finn Balor. En fait, c'est plus un problème d'écriture de nom. Impeccable. Objectif atteint. Ça c'est sympa. Et voilà qui va terminer ce mois et cette vidéo.